Bonjour, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon avis sur un film, toujours avec le marathon Alien. Là, je vais vous parler d'un film qui est sorti le 10 mai 2017, un film de Ridley Scott avec Michael Fassbender, Katharina Washington, Bill Condley. Genre science-fiction, épouvante, horreur, action, nationalité américaine, britannique. Je vais vous parler de Alien Covenant. Encore plus surpris que Prometheus. Très 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 bon film pour moi. Avec encore des révélations de la saga Alien. Moi j'ai vraiment bien aimé. Après c'est en fait la suite de Prometheus, hein. Après on apprend qu'est-ce qui s'est passé avec Sean, Elizabeth Shawn et l'Android. Qu'est-ce qui s'est passé après Prometheus, tout ça. Après un équipage avec une colonie de 3000 hommes dedans, signe de détresse, et en fait c'est la Isabelle Swan qui envoie un signal dans une planète qui ressemble vraiment à la Terre quoi. Et voilà, ils y vont, mais la fille elle a un peu raison quoi. C'est comment s'appelle Daniels, voilà, Daniels. Elle est vraiment pas contre y aller là-bas. En plus juste avant elle a eu un truc solaire là. Un coup de solaire en plus elle a eu des pertes. Il y a eu le commandant qui est décédé. En plus c'est celui qui joue c'est en plus le commandant c'est l'acteur c'est je sais plus James Franco en plus l'acteur qui jouait qui est mort quoi et c'est un autre qui prend le commandant et voilà après ils iront dans la planète après comme je dis il arrive plein de problèmes et après plein de révélations qu'est-ce qui se passe et voilà quoi. Pour moi ce film mérite un 4, un 4 encore un très 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 bon film. Ça ne mérite pas encore un chef-d'œuvre. Comme j'ai dit, le meilleur film d'Alien, c'est le premier. Mais il mérite quand même, c'est vraiment meilleur que le 3 et le 4 quand même. Et mérite 4 étoiles, un film à 4 étoiles. Pour moi, excellent film. Et j'ai vraiment aimé l'androïde qui joue Farsalgenberg, qui joue très très bien. Et voilà, après on comprend vraiment les androïdes. Et c'est vraiment la base de Alien, c'est eux. Hein, c'est eux. Je raconte pas un peu qu'est-ce qui se passe, mais je vous dis, regardez la saga Alien, c'est vraiment une belle saga. Et voilà. Et je crois, j'avais pas tort tout à l'heure, il va y avoir un nouveau qui va sortir. En plus, il y a la Triss qui va revenir, la Sugar et un Ripley qui va revenir. Hâte de voir ça. Je sais pas qui va sortir, je crois l'année prochaine, je crois. Je crois, ou à la fin de l'année. Hâte de voir ça, quoi, la suite, et voilà, mais très 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 belle saga, et voilà, quoi. Bon, moi, je vais vous laisser, hein, les amis, et vous, est-ce que vous pensez de toute la saga Alien, de même voir vos top, pour moi, le meilleur, c'est le 1, après, je mettrai le 2, le Covenant, le troisième, après, prenez Prometheus. Après, je mettrai Alien 3 et dernier, c'est le Résurrection. Pour moi, c'est le dernier. Et voilà, c'est mes top quoi, de toute la saga Alien.
Voilà, moi je vais vous laisser les amis. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Comme je dis, une super saga Alien. Et qu'est-ce que je vais regarder? Peut-être je vais regarder, je vais me calmer avec le film, là je vais regarder une petite une série. Vous verrez ça plus tard et voilà. Bon allez mes amis, je vous laisse, je vous dis bonne soirée et je vous dis ciao à tous. Bonne nuit à tous.